Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler cheveux et on va parler cheveux fins et cheveux mous. D'abord, je vais vous expliquer les trois catégories de cheveux qu'on peut rencontrer. On a d'abord le cheveu asiatique. Le cheveu asiatique, comme le nom l'indique, c'est les personnes qui ont les cheveux très raides. Pas forcément des Chinois et des Japonais, mais c'est la catégorie. Des cheveux très raides, épais, pas forcément fins, parce que pas trop de ressorts en racine, mais un bon volume de cheveux quand même. Et très droit. Et ça, pour nous, c'est la croix et la bannière, parce qu'on n'arrive à rien avec ses cheveux. Franchement, c'est pas évident. Moi, j'ai souvenir, j'ai trois clientes et un client avec des cheveux asiatiques. Je mets une heure à peu près pour leur couper les cheveux, parce que c'est des cheveux qui marquent beaucoup. Le seul coup de ciseau, un coup de ciseau, on va dire, pas trop calculé, pouf, ça se voit. Un peine ciseau sur un homme cheveux asiatiques, il a intérêt à être fait, mais vraiment d'une minutie... vraiment très très délicate parce qu'il y a des barres qui se forment et ça c'est vraiment pas beau. Je referme la parenthèse. Il y a aussi les cheveux européens. Donc ça c'est les cheveux qu'on rencontre, c'est nous, cheveux européens. Ça va être un cheveu mi-raide, mi-frisé, un peu ondulé. Le cheveu qu'on rencontre habituellement. Et il y a le cheveu où là par contre je n'y connais pas grand chose, c'est le cheveu négroïde. J'aime pas trop ce nom parce que c'est négroïde, il y a cette connotation nègre et j'aime pas ça. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est le cheveu qui est très frisé, crépu. Donc, toutes les personnes, black, voilà. Les personnes aussi un peu orientales, algériens. Les algériennes ont des très beaux cheveux, mais c'est vraiment... c'est pas trop crépu, mais c'est une boucle qui est vraiment très 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 serrée. Et ça, nos coiffeurs européens, entre guillemets, on galère aussi avec ces cheveux-là, parce que on n'a pas l'habitude, finalement, de s'occuper de... des cheveux comme ça. Il y a des salons de coiffure qui sont faits pour les salons afro. Je recommande à toutes ces femmes qui ont des cheveux qui sont très durs d'aller dans ces salons là parce que déjà les filles qui sont coiffeuses à l'intérieur ont des cheveux comme ça, donc elles savent les soins qu'il faut proposer, elles savent maîtriser ce cheveu là moi personnellement j'ouvrirais un salon où c'est ce que je voulais moi au début. Je voulais avoir une petite dépendance à côté pour vendre un peu des produits, pas pour vendre mais style deux fois par semaine, avoir une fille black qui vienne coiffer, parce que moi j'adore les voir faire, j'adore aller sur les tutos, aller voir ces filles, c'est souvent des coiffeuses qui font les tresses là sur les blacks, mais moi j'adore les voir faire, elles ont des mains ces filles, mais c'est des coiffeuses, je pense que nous on est coiffeurs, mais elles sont un peu au-dessus de nous, parce qu'elles s'occupent d'un cheveu qui est très 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 difficile à gérer, voilà. Au niveau des défrisages, elles manipulent des produits qui sont très forts. Et moi, j'adore entendre ces filles parler. Elles ont vraiment une culture du cheveu, encore plus que nous, moi, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est le cheveu négroïde. Là, on va parler cheveux fins, cheveux mous. Donc, je vais parler européen. Avoir un cheveu fin et un cheveu mou, un cheveu plat, manque de volume, manque de ressort, c'est pas évident au quotidien parce que la moindre intempérie, ça se ressent. Vous allez porter un chapeau, vous enlevez le chapeau, il n'y a plus le brushing que vous avez fait le matin. C'est vraiment galère à gérer. Voilà. Vous pouvez déjà commencer par des soins. Moi, quand je parle soins, je parle shampoing et spray. Le soin, je ne parle pas de peau, de crème qu'il faut rincer, parce que ça a tendance à alourdir un cheveu. Si vous avez le cheveu fin, ne faites pas de masque, ne faites pas de... Faites déjà un shampoing neutre. À la base, le premier, et le shampoing, vous allez le prendre traitant. J'ai fait une vidéo sur le shampoing, j'explique tout, donc je ne vais pas réexpliquer ce que c'est. Shampoing traitant, il va cibler votre petit souci, c'est-à-dire, là on parle de cheveux fins, cheveux mous, et ben vous allez prendre un shampoing volumateur. Ne mettez pas excessivement cher dedans, ça ne sert strictement à rien. Le shampoing, il est là pour laver. Le deuxième, il va traiter un petit peu, mais il ne va pas vous faire des miracles non plus. C'est-à-dire que vous allez faire votre deuxième shampoing, vous allez faire votre brushing, vous n'allez pas être Dalida, hein. Ça va pas être une chevelure, Ça va juste booster un peu la racine pour vous aider à avoir un galbe après. C'est tout, ça va pas faire des miracles. Vous passez le soin, vous ne faites pas de crème, vous ne faites pas de masque, parce que ça aura tendance à alourdir. Achetez plutôt un spray volumateur, qui est un spray qui se met en racine, généralement, tête en avant. Si vous avez les cheveux longs et que vous avez besoin de soins sur les longueurs, c'est rien, ça c'est mon chat qui a dû monter sur l'étagère. Ne faites pas de... J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais oui, ne faites pas de soins trop forts, c'est-à-dire tous les crèmes, les Timothée, les Jacques de Sange,
les soins du commerce, non, c'est pas top. Vaut mieux à la limite faire un soin que vous allez laisser poser la veille, du shampoing. Voilà, une bonne macération d'huile et d'huile de coco, quelque chose de bien gras, avec un beurre karité à l'intérieur. Vous gainez ça, vous gainez vos longueurs avec ce produit-là, mais le lendemain, vous allez les laver. C'est-à-dire que vous allez enlever ce produit-là. Parce que si vous mettez trop de soin, la racine, elle va encore plus s'aplatir et c'est galère. Donc la veille, voilà, on va parler. La veille, vous faites votre soin, ou 2 heures avant votre shampoing, vous faites un petit soin, vous rincez à fond, vous faites vos deux shampoings, et vous prenez un spray volumateur. Les sprays volumateurs, moi je serais d'avis plus d'aller dans les shops coiffures et dans la boutique des coiffeurs. Voilà, parce que moi les produits de commerce, je ne les connais pas tous, il y en a trop. Maintenant chaque coiffeur va en sortir un, moi on ne sait plus où on en est, c'est trop galère maintenant. Donc vous allez à la boutique du coiffeur, je trouve que les prix sont vachement accessibles, voilà. Moi je ne vends pas de produits dans le salon parce que ça me gonfle, je ne sais pas faire, je ne suis pas vendeur, je suis coiffeur, voilà. Moi les personnes qui coiffent et qui vendent après 5 produits, et c'est comme les esthéticiennes. J'ai horreur d'aller dans un salon ou dans un centre d'esthétique qu'une fois qu'elle finit le soin, tu vas pour payer à la caisse et tu as tous les produits qu'elle a utilisés et tu sens obligé d'acheter un produit. Ça, je n'aime pas. J'ai horreur de ça, donc moi, je me suis facilité la vie. Je ne vends pas de produits, au moins comme ça, c'est très bien. Vous prenez un soin volumateur, un spray qui ne se rince pas. Donc, vous regardez, il y a différentes gammes. Je m'y intéresserai un peu plus. Et puis, parce que, bon, comme d'habitude, là, je n'ai pas préparé ma vidéo. Je vous fais d'emblée comme ça. Ne prenez pas. Donc ça, on est dans le soin pour les shampoings et pour la beauté du cheveu. Ensuite, on va parler soin pour le coiffage. Il y a différentes mousses. Là, je vais un peu extrapoler dans les commerces parce qu'il y en a plein. Ne prenez pas une mousse trop forte. Parce que maintenant, sur les mousses, il y a différentes forces. Force 1, force 2, voilà. Plus vous allez prendre une mousse forte, plus vous allez galérer pour le brushing. Parce qu'une mousse pour cheveux fins et mous, elle va agir effectivement sur la racine, mais elle va agir aussi, moi je trouve, sur les boucles de certaines personnes. Beaucoup de filles ont des cheveux frisés, mais qui peuvent avoir les cheveux fins. Le problème, c'est si elles utilisent ces mousses-là qui sont fortes, quand elles vont sécher leurs cheveux, si elles veulent un brush, eh ben la brosse va vraiment tirer, elle va figer le cheveu à l'intérieur et c'est incoiffable. Si vous utilisez une mousse de coiffage très forte, laissez-les boucler vos cheveux. Je pense à Gaëlle. Du blog, pas du blog, de la chaîne YouTube Gaëlle. Regardez sa boucle qu'elle a. Je ne sais pas ce qu'elle se met dessus, j'ai pas regardé sa routine cheveux, je sais même pas si elle en a fait une. Mais je pense qu'il doit y avoir une mousse ou du gel, mais vous voyez, elle les laisse friser. Parce que si vous mettez du gel ou de la mousse sur cheveux frisés et que vous voulez les lisser ou galber votre racine, vous n'y arriverez pas, c'est hyper galère. Donc là, je reviens sur les cheveux. Raide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucle, ne prenez pas une mousse trop forte parce que pour votre brushing, vous allez galérer après. Prenez la première, la basique, force moyen ou pas de force du tout, juste pour avoir un galbe. Ensuite, donc vous avez mis votre racine, ce que vous faites, c'est que vous allez les mettre en place avec les doigts, votre mouvement de coiffage. Commencez à mettre en forme vos épis, c'est-à-dire que si vous avez un épi ici et que vous avez une frange, mettez en forme votre frange. Laissez le reste mouillé, on s'en fout. Mettez en forme les épis. Ensuite, vous prenez une brosse crabe. Vous savez, les brosses crabes, c'est les brosses avec les picots comme ça. Vous prenez la brosse crabe, votre sèche-cheveux dans l'autre main, vous galbez la racine et vous séchez un petit peu la racine comme ça. C'est tout. Vous ne cherchez pas à faire brushing pour le moment. Vous galbez votre racine. L'opération racine terminée, vous prenez vos sépare-mèches et vous faites votre brushing comme vous avez l'habitude. Le fait d'utiliser la brosse crabe, c'est une brosse qui est facile. Parce que c'est voilà, elle tourne pas. Là, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas un coup de main à avoir. Il y a juste à galber la racine et à sécher. C'est tout. Ensuite, si vraiment vous avez un cheveu que le lendemain il n'y a plus rien, ou vous pouvez envisager déjà d'assécher un petit peu votre racine. C'est-à-dire de temps en temps faire des masques avec de l'argile verte. Voilà. Même si vous n'avez pas une séborrhée excessive, de temps en temps, vous pouvez faire ce masque-là, ça assèche un petit peu la racine et ça peut vous faire du bien. Sinon, vous pouvez commencer à faire quelques mèches blondes, voilà, commencer à changer un petit peu, mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sinon, il y a le décollement de racine. Alors, il y a le décollement de racine, mini-vague, permanente, c'est la même famille. Ce qui change, c'est la grosseur du rouleau. Du bigoudi, pardon, parce que rouleau, c'est les rouleaux à mise en plis. Je vais vous apprendre un peu le jargon. Les rouleaux, c'est les mises en plis, comme avant.
permanente, c'est les bigoudis, avec l'élastique, le papier, bon. C'est exactement le même procédé qu'une permanente ou qu'une mini-vague, sauf c'est la grosseur du bigoudi qui va faire la différence. Mais c'est exactement les mêmes produits. Quand j'entends des pubs, là, ils disent mini-vague avec... Non, mini-vague, c'est un produit à permanente, c'est pas un autre produit, c'est de l'acide, en parlant vulgairement, en parlant comme ça, qu'on met sur le cheveu et qui change pas à l'année, hein, ça dure 3 mois. Et encore les décollements, ça dure plus de 2 mois et demi que 3 mois. Hein. Voire 2 mois, il y a certains cheveux, même je ne propose pas parce que des fois ça tient pas du tout. Mais ça peut vous aider si vous avez un cheveu quand même de bonne qualité. Un décollement, ça aide vachement. C'est-à-dire qu'on utilise des bigoudis sur le haut du crâne, voilà, et on va faire ce décollement de racines. Ça ne frise pas. Enfin, ça ne frise pas. Moi, je fais quand même quelque chose d'assez serré au début. Parce que je veux que ça tienne. Si c'est pour faire quelque chose, mais qu'une semaine ou 15 jours après, il n'y a plus rien, vous avez payé 60€ pour que dalle. Donc, il vaut mieux faire quelque chose un peu plus serré, pas frisé, hein, mais il y a un petit mouvement. De toute façon, les personnes qui font un décollement de racines ou une mini-vague, généralement, elles font un brushing après. Ou alors, elles travaillent un peu à la main, mais bon, c'est pas, elles ne laissent pas... bon, ne faites pas quelque chose... C'est pas frisé, c'est pas une permanente, mais c'est le même procédé. Voilà, j'espère être clair là-dessus. La prochaine fois, promis, je prépare mes vidéos, parce que même moi, là, je sais plus où j'en suis. Donc, là, on a parlé soins coiffure, on a parlé soins pour galber la racine, mini-vague. Eh ben, il y a que ça. Malheureusement, il n'y a que ça, parce que... La... Oui, si, il y a la coupe aussi qui est importante. Quand on a un cheveu plat et un cheveu mou, pensez toujours à dégrader un petit peu votre cheveu. Pas trop non plus, parce que trop de dégradés, ça va enlever du volume. Il faut vraiment... prendre le temps avec votre coiffeur, ne pas effiler, ne pas désépaissir, ne pas partir dans des coupes qui sont trop courtes, parce que le trop court, ben, il n'y a pas assez de ressort pour la racine, donc automatiquement c'est tout plat. Ou alors, ben, si vous avez un visage qui sait porter le court, et ben, lâchez-vous, portez du très court à ce moment-là. Style, sur le blog de Nicole, il y en a une qui s'appelle Danielle, elle est du Québec. Moi, je trouve que elle est super belle cette femme, elle a la coupe à Jamie Lee Curtis. D'ailleurs, allez sur le blog de Nicole, sur la chaîne de YouTube, elles ont fait une vidéo toutes les deux. Mais je me rappelle plus, le titre de... Vous tapez sur YouTube Danielle et Nicole, je pense que vous la retrouvez la vidéo. Elle a une coupe de cheveux qui est super belle, la Jamie Lee Curtis. Ça, c'est des coupes pour les personnes qui ont des cheveux fins et cheveux plats. Vous pouvez le faire, ça nécessite un coiffage. Mais bon, c'est un coiffage qui est facile à faire, honnêtement, c'est pas trop galère. Voilà, si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire quoi que ce soit dans ma vidéo, parce que c'est possible, parce que tout est dans ma tête, mais comme je prépare pas, promis, des fois, je vais le faire, je vais essayer d'avoir une feuille en bas et de regarder, mais j'y arrive pas, j'y pense pas, voilà. Mettez vos questions en bas, et promis, je vous réponds. Des fois, je mets du temps à répondre, parce qu'en ce moment, c'est la période de Noël, au boulot, j'ai beaucoup de travail, et j'ai pas forcément le temps, mais je réponds tout le temps, généralement. Voilà, j'espère ne pas mentir en disant ça, mais je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc, mettez votre question et moi, je vous réponds en dessous. Par contre, je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand des personnes me demandent des conseils au niveau de leurs cheveux, au niveau des mélanges de couleurs, faut me pardonner, je ne réponds pas parce que je ne sais pas qui est derrière l'écran. Voilà. Ces personnes-là, j'ai envie de m'adresser à eux. Vous avez votre propre coiffeur. Demandez conseil à eux. Moi, je vous dis ce que moi je ferais, mais je ne vous dis pas mes secrets de mélange de couleurs. Parce que peut-être derrière l'écran, vous êtes des coiffeurs et vous avez envie... Bah voilà, vous êtes professionnel aussi. Moi, j'ai mes propres secrets et je n'ai pas envie de tout dévoiler sur Internet, quoi. Voilà, je vous dis les bases. Après, tout le monde est professionnel. Il y a d'excellents coiffeurs. Moi, je ne me considère pas comme un excellent coiffeur. Je me considère comme un coiffeur qui aime son boulot. C'est tout. Et il y en a plein. Voilà. Prenez le temps. Un conseil, quand vous voulez changer de coiffeur, allez dans un salon, demandez juste un brushing. Là, il y a des choses qui se passent pendant un brushing. Le coiffeur, il peut vous proposer certaines choses. Ensuite, la deuxième fois, vous y allez pour une coupe. Et la troisième fois, vous y allez pour une technique. C'est-à-dire une couleur, une permanente, des mèches, ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on fait. J'espère avoir été très clair, j'espère que mes vidéos vous plaisent. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Je remercie pas assez mes nouvelles abonnées, donc je le fais.
Recoucou, je reviens vers vous pour faire une toute petite mise au point. Je reçois depuis 15 jours, 3 semaines des tags. Je vous demande de me pardonner à ceux qui m'envoient ces tags-là. Je ne répondrai pas à des tags parce que j'ai horreur, ça va peut-être, j'ai horreur de parler de moi. J'ai ma vie privée, je l'ai toujours gardée privée. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur une chaîne YouTube, c'est pas parce qu'on est commerçant qu'on doit parler de notre vie. J'ai horreur de ça. J'ai beaucoup de mal à me raconter, je n'aime pas. Je me suis livré lors d'une dernière vidéo sur la coiffure et moi. Ça a été une vidéo que j'ai aimé faire parce que ça parle de ma passion et il y a eu une énorme émotion dans cette vidéo-là. C'est d'ailleurs c'est la seule vidéo que j'ai regardée parce que je ne me regarde pas, j'ai horreur de me voir en caméra, j'aime pas m'entendre. Quand je fais les rushs, je coupe le son et puis c'est vraiment, on a tous un souci de toute façon avec notre image, vous nous voyez différemment que nous. Moi, je n'aime pas me regarder. Donc tous les tags, je reviens aux tags, parce que j'en ai eu, c'est vraiment des questions avec qui je vis, si j'ai des enfants, si je suis marié, est-ce que je peux me filmer de A à Z, du matin où je me lève, non, c'est ma vie privée. Je pense que vous aimeriez pas être filmé déjà au réveil, en pyjama, si vous en portez un, si vous en portez pas, bah encore pire. Moi, j'ai pas envie. Le mot vie privée, il y a le mot privé dedans et ça doit rester privé. Quand des fois, c'est vrai, je regarde, oui, c'est un peu du voyeurisme et d'ailleurs j'ai arrêté parce que je trouve que c'est... Non, il y a des youtubeurs où ils se filment vraiment, mais sur toute leur journée. Moi, j'aime pas ça, franchement, ils filment ce qu'ils vont manger à midi, ils filment ce qu'ils vont manger le soir, ils vont filmer... Bientôt, ça va aller où? Ça va aller se filmer quand on va aller aux toilettes? Ben, excusez-moi, je vous laisse... Non, mais il faut arrêter. Et au boulot, c'est pareil. On m'appelle au boulot la Mylène Farmer du Revoucourt parce que je ne parle pas. Moi, je parle voyage, je parle coiffure, parce que j'aime ça. Mais ma vie privée, je n'en parle pas. Donc, pardonnez-moi à toutes les personnes qui m'ont envoyé des tags. Ne le prenez pas mal, mais je ne répondrai pas à ces tags-là. Si vous voulez que je réponde à des tags, faites-moi une foire aux questions. À ce moment-là, moi, je préfère ça parce que vous savez que je ne veux pas parler de certaines choses. Donc envoyez-moi des questions sur YouTube si vous voulez savoir au niveau de mon métier, au niveau de l'esthétique et au niveau alimentation, ça, il n'y a pas de souci. Mais ne me demandez pas de filmer ma chambre, de filmer ma salle de bain, de filmer... Je n'aime pas. Je pense qu'il y a une pudeur qu'il faut respecter et trop en montrer, c'est pas bon non plus, moi, je pense. Hein. On est là sur une chaîne de beauté, sur une chaîne de coiffure. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de savoir avec qui je dors, avec savoir avec qui je... Voilà. Je pense que faut revenir un petit peu dans quelque chose quand même un peu professionnel et la vie privée doit rester privée. Voilà, je fais juste cette petite parenthèse là. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Les fêtes de Noël approchent. Si vous avez des questions à me dire, je réponds toujours. Je vais peut-être mettre du temps, mais je vais répondre si vous avez des questions coiffure, si vous avez... Voilà. Pardonnez-moi si je réponds pas le jour même, parce qu'en ce moment, j'ai énormément de travail. Voilà, donc... Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo esthétique et je vous amène la semaine de Noël. Je ne ferai pas de vidéo, vous ne me verrez pas. Je vous amène avec moi à Rome. Voilà. Passez à toutes et tous une très bonne journée. Je me répète et puis je vous embrasse très fort. Et merci aux nouvelles abonnées. Ciao, ciao.